bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure horrifique sur Resident Evil 2, le retour, épisode 2.5 avec Claire évidemment. On a croisé Marvin, bah il est pas bien les gars, encore une fois. Il a des petites, tu vois, il a des petites coupures à gauche à droite. C'est pas cool pour lui, quoi qu'il en soit, n'oubliez pas. Eh, un petit truc à boire, un petit truc à manger, vous connaissez la tradition. On va se retrouver une bonne demi-heure ensemble. N'oubliez pas non plus le like, ça fait toujours plaisir. Et le petit commentaire. Et là, je peux vous dire que maintenant qu'on a croisé le premier zombie, bah écoutez, l'enfer commence. Donc, on va faire attention à nous. Ce qui serait pas mal, c'est, pourquoi pas, de combiner les plantes. Je trouve ça plutôt cool. Ça, on tend le jeter, je trouve ça plutôt cool. Et, ah, le spray, on n'en aura pas besoin. On va le remettre derrière. J'ai oublié, my bad. Hop, je fais tout le tour. C'est pour checker Marvin, hein. Ça, mon frérot. Eh, c'est l'épisode de Marvin, t'oublies pas le like, hein. J'ai vu le petit ordinateur à côté de toi. Attention, attention, hein. Donc, c'est parti, on va reposer. Je suis pas sûr qu'on ait besoin du soin. Là, je pense que vraiment, en vrai, je pense qu'on a une maîtrise du jeu total. Tu vois, là, je pense qu'on est des monstres. Plus rien ne peut me faire peur, en fait. Allez, on y va. C'est du mytho. C'est du mytho total. Bien sûr que je peux stresser de ouf. Ok. Quelque chose à lire. Ce qui est bien, c'est que cette fois-ci, avec Marvin, on a directement appris que Chris était en Europe. Tiens, on va voir ce qu'elle va dire par rapport à cette scène où la personne a un petit aft. Rien de bien grave. Le pauvre, hein. C'est le seul truc qu'elle trouve à dire. Qui est là? Ok. Bon, monsieur, je sais que vous allez tomber. Eh. Voilà. Vous avez rien vu, hein. Monsieur. Oh, la vache, on peut ne pas le faire tomber. Et si je fais ça? Ah, oh, putain, il a fait me briser la nuque. Ok. Bon, normalement, il se relève pas, hein. Ouais, je connais bien les gars, hein. Il a reçu une barre en tuyau à travers le crâne. Oh putain, je suis débile. J'ai posé derrière le bordel. Oh, j'ai été con, hein, dis donc, hein. Encore une seule journée à Raccoon City. Ok, cette fois-ci on va la laisser, hein, la demoiselle. Là. Ah bah ouais, ça valait le coup de la laisser. Hop, restez. Non, madame. Non, tentez rien. Vous êtes sûr que vous êtes morte, madame? Putain, ça se recharge balle par balle. Ça risque d'être terrible, les gars. Ok, ici, on peut toujours pas passer, ça va changer. Très bien, bon. Qu'avons-nous? On a un beau tableau. On n'a pas grand-chose. Oh, si. Comme quoi, putain, même en observant, je suis totalement aveugle. C'est incroyable. On a la porte. Hein, ça sert à rien de la repasser. On a rien d'autre? Rien d'autre de potentiellement intéressant? Aussi, regardez-moi ça. Rapport d'événement. 25 septembre, le commissariat est converti en abri temporaire pour faire face à la soudaine montée en violence. Tous les agents ont reçu l'ordre de veiller en priorité à la sécurité des citoyens alors que nous tentons d'en accueillir un maximum sur place. 25 septembre, Addendum. Je ne saurais jamais le prononcer, peu importe le nombre d'épisodes. L'un des réfugiés nous a attaqués au milieu de la nuit, faisant un mort et 3 blessés parmi les officiers. La personne en question a rapidement été maîtrisée. Nous pensons qu'il ne s'agissait que d'une réaction au stress intense. 26 septembre, une foule a attaqué le commissariat, faisant de nombreuses victimes. Quelques survivants sont parvenus à passer derrière les stores de sécurité, mais nous sommes cernés. Nous aurons du mal à sortir d'ici. Nous ne serons peut-être pas en mesure de rétablir les communications et sommes donc coupés du reste du monde. Et 27 septembre, une nouvelle attaque est survenue du côté ouest du commissariat vers 13h. 12 personnes sont décédées, il ne reste qu'une poignée de survivants. Tout sombre dans le chaos. C'est David Ford, évidemment. Madame? Ok, je crois qu'elle s'est totalement relevée. On a le plan! Incroyable! Bon, ça c'est fait. La carte, t'inquiète pas, mon pote, que je vais savoir très vite l'utiliser. Hein. On peut passer par ici, fort heureusement. Et on a quoi là de l'autre côté, rappelle-moi? Bah, que dalle, mais bien sûr. Mais oui, c'est clair! On s'en va. Hein. On s'en va, les gars, vous m'avez usé de vos conneries. C'est parti, va pas te couper, Claire. Hein. Prends soin de tes petites mains. Ok, hop. Demi-tour. 5 balles, c'est pas mal. Ok. Lui est toujours abruti par les chips. Hein. Lui, c'est vraiment... Oh, la vache! Damn! Oh, j'ai chaté de ouf, en vrai.
Incroyable! Le coup critique, Caproc! Ah, c'est le beau jeu! Ok. Ici, c'est dead. Ici. Il a perdu un bras. Bon! On est reparti. 101, 102. Alors, attendez. Ok, 102, 103. 102, 103 et 106, 109. 102, 103, 106, 109. On est parti. 102, 103, hop, 106. Ça, c'est fait. Et on va faire le 109. Jusqu'ici, tout est plutôt cool. 109, encore une fois, vous inquiétez pas. Hein. Les épisodes se ressemblent, mais ça va très vite changer. Pas de souci à vous faire là-dessus. Et le 2, on l'a pas, donc en fait, je pense qu'on est totalement... totalement bezaïd. Oui, c'est totalement dead. C'est totalement dead. Donc c'est parti, on ouvre. Les balles, je prends. On en a jamais trop. Et ça, qu'est-ce qu'on a là? Oh, une pellicule. On va la mettre ici, on s'en fiche. Bon, on a quoi? Oh, c'est pas mal! Quoi? Mais à quel moment tu fais ça, mec? Je suis monstrueuse, là. Oh, mais je suis incroyable. Il a pas mis un pied dedans. Ok, lance-grenade. Très bien, très bien. Ça, on va le prendre. C'est très, très bon. On y va. Bonjour. Monsieur, faut pas rentrer comme ça. Hein. Très, très chiant. C'était le mec avec le bras en moins, en plus. Ah, là, on avait une énigme. Attendez. Et là, c'était la suite. Ok, on y va, on va faire les énigmes. Poudre noire, ça c'est cool. Usage de la poudre noire, bon. On va pas abuser, on va pas regarder ça, on connaît déjà. Ok, j'ai voulu prendre mes précautions. J'ai l'impression d'être redoutable, hein. D'être le Lucky Luke du game. On a le coffre ici, pas d'indice pour autant. Ok. Ah, je peux pas lire le... Voilà. Rapport d'opération. 28 septembre. On n'est plus que 4 ici. Pas d'armes, pas de munitions. Et les affrontements nous ont épuisés mentalement et physiquement. On ne s'en sortira pas. L'officier Phillips a suggéré une fuite par les égouts. Apparemment, il y a un tunnel secret qui date de l'époque où cet endroit était un musée. J'avais rejeté son idée, mais maintenant, elle me paraît plus si mauvaise. Rien ne prouve que ce tunnel existe ou que les égouts ne sont pas infectés de zombies. Mais je ne veux pas attendre la mort ici. C'est risqué, mais je vais essayer de trouver des infos sur ce tunnel. Elliot et Ward. Très bien. Donc on a le petit Elliot par ici. On a... Oh! Première mission. Léon S. Kennedy, votre première affaire est très spéciale. Votre mission est d'ouvrir votre bureau. La clé de la réussite, c'est dans les initiales, bien évidemment, du prénom. Alors, on avait Elliot, David... Et ici, je crois que c'était Marvin, me semble-t-il. Donc, David. Elliot. Et je crois qu'ici, c'était Marvin. Pas du tout. Non plus. On va tous les faire. Ok. Pardon. Attends. Ah non. C'est un F. Ok. Ah non. Et là, je crois que c'est un... On fait au pif, hein. Mais non, mais je suis débile. Ben oui, putain. Excusez-moi. J'en ai marre d'être débile. Ok, c'est David. Donc, normalement, là, c'est M. Non, c'était N. Mais oui, putain, Norbert. Non, pas du tout. Ok. Déjà, quelqu'un s'est relevé. Voilà. Et on pré-shot. What? Mais t'es hyper violent, gros. Ok. Oh non. Oh non. Oh non, monsieur. Ok. Je vais m'en sortir. Allez, hein. Putain, mec. Inépuisable, ce gars. Ok, bon, on avait quoi ici? Excusez-moi. Ah, Marvin est là! Donc, on a le M, R... Et lui, on saura pas vraiment. M, R, très bien. M, R...
Voilà. C'était tellement évident. Ok, on a quoi? Chargeur rapide, ça c'est bien. Mais oui, c'est clair. Ok, les gars, combiné. Alors, élément pour le SLS. Donc, c'est le pistolet que j'ai. Diminue considérablement le temps de recharge. Les gars, c'est bon, ça. Par contre, pas de balle en plus. Toujours 6 balles dans le chargeur. Et ça, c'est fort embêtant. Donc, on va jouer sur la vitesse. L'énigme ici, c'est fait. On va pouvoir partir. Non, faut pas partir. On va juste déverrouiller. Ah non, mais oui, j'ai pas la clé. Incroyable. Très bien. On va fouiller les casiers. J'ai oublié qu'il y avait des casiers ici. Ok. Ah, là, on a un indice sur le prénom. Le J. Le J de Jojo, évidemment. Jojo, si tu regardes cette vidéo, c'est pour toi. Sérieusement? Est-ce qu'il va réussir à la casser? Est-ce qu'il va comprendre le mécanisme? Le joueur français! Putain. Il n'a pas l'air. Eh, les gars, regardez-moi ça. Bonjour, monsieur. Hop! Et non! Vous ne passerez pas, monsieur! Désolé! Parce que lui, Dieu sait qu'il me faisait peur, ce petit bâtard! Le vertu des plantes, on s'en fout, on connaît. Allez, on peut continuer. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, des casiers. Ok, une poudre, ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on a là? Des balles, ça c'est cool. 4 balles. Les gars, 4 balles, c'est un peu, si je peux me permettre l'expression, rachitique. N'oubliez pas qu'avec Léon, on a aussi... Eh, ça on dépose. Hein. Hop, voilà. Et ça on dépose. N'oubliez pas qu'avec Léon, on a aussi très très bien commencé l'aventure. J'ai souvenir qu'épisode 3-4, on se gavait. Et c'était devenu très vite compliqué. Les pellicules contiennent des preuves. Oh, une petite herbe douce. On adore, évidemment. Il est temps d'aller voir cette preuve. Que me dit-elle? Ça me dit quelque chose, effectivement, John McElwain. Ok, ça c'est fait. Ça. Hop, ça dégage, on s'en fout. On verra plus tard. Une petite save? Oh, je sais pas si ça vaut le coup. Non, ça vaut pas le coup. Je suis en confiance. Je vais pas faire trop le show, mais je suis en confiance quand même. Ok. C'est parti, on continue. Il y a le lance-grenade. Ok. What? Ok, bonjour madame. Oh, qu'avez-vous? Oh, mais c'est incroyable. Tout va tellement vite. En vrai, je peux la... Voilà, c'est évident. C'est évident. Madame, arrêtez-vous! Oh bah... Ah, elle s'est arrêtée, elle s'est arrêtée. Ok. On avait quelque chose ici. Je crois que c'était les douches là-haut. Oh, qu'avons-nous là? Ouais, bah c'est pas ouf. Je prends, c'est pour le plaisir. C'est pour le plaisir. Uniquement pour une petite consommation perso. Là, je crois qu'il y avait un mec dans le... Voilà, évidemment. Oh. Oh là, monsieur, vous faites un signe bizarre du bras. Faut pas faire ça, monsieur. C'est très bizarre. Ok, instruction, code portatif. Bon, bah ça, on connaît. Je vais pouvoir faire de la musique avec. Oh oui, putain. Je vais pouvoir commencer à faire de la zik. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Que dalle. Que nuit. Qu'est-ce qu'on a là? Bah... C'est sympa, les gars, mais j'ai pas la carte. Ok, bah ça, les gars, je vais pas tenter au pif. Ça sert à rien, ça va être beaucoup trop long. 3 possibilités. C'est bien chiant. Ok. Les gars. Eh, c'est parti, on fait un peu de zik. Ça me fait plaisir. Oh, j'en ai un. Ok. Ok. Incroyable. Ah, merde. Oh merde. Ah, 1, 2, 3, 4. Ah, 1, 2, 3. Je comprends plus. Allô? 1, 2, 3. Voilà. Yes. Hein. Évidemment. Oh! Ok. Ah ouais, je suis monstrueux. Allez, ça c'est fait! On aura une touche, normalement, si je ne suis pas fou. Et je ne suis pas fou. On aura une touche, ça c'est plutôt cool. Très belle touche, hein, qu'on a là. Bon, j'hésite à faire demi-tour et la mettre. Pop. Si je le fais, je vais me faire engueuler dans les commentaires. Ouais, mais B-Boy, pourquoi tu fais demi-tour? Enfin, en haut, porte tes couilles et tout. Et vu que j'adore me faire engueuler, eh ben, je vais totalement faire demi-tour.
C'était pas très loin de toute façon, c'est pas un problème. Monsieur Arnaud. Ah ! Ah ! Double A ! Putain, merde ! Je rigole, je rigole. Non ! Coupe tête, mon pote ! Salopard ! Hitler ! Ok. Ok. Mais il vient d'où ? D'où Jésus ? Putain, chiant, le gars ! Je suis déjà blessé. Fort dommage. Tout cela n'était pas prévu. Et le mec derrière a quand même réussi à péter la vitre. Il m'a fait flipper. Je me suis dit que la vitre est impétable. Mais pas du tout. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il foutait là, ce con, putain ? Pas souvenir de l'avoir vu, en plus, tout à l'heure. Il devait traîner par terre, j'ai pas fait gaffe. Qu'est-ce qu'on s'offre en possibilité ? Un cut... Attends. Déjà, 203, c'est pas possible. Le 102 est possible. Donc, on peut s'offrir soit celui-là, soit le 103. Sinon, ici, on a une sacoche. Mais là, il faut le 2 et le 3. Donc, c'est pas possible. Soit le 2 et le 8. Bon, j'ai pas le lance-grenade encore. Oh, qu'est-ce que c'est, d'où Jésus ? Terminal des casiers. D'accord. Ok. Je m'en fous. Très, très bien. Je me tâte. Je me tâte et pour être très honnête avec vous, je pense qu'on va aller sur un petit couteau. Un petit cut familial. Ouais, un petit cut familial. Allez, c'est parti. Ok. La sacoche, faudra toutes les touches, hein, les gars. Donc c'est parti, 103. Je crois que j'avais fait 102 la dernière fois. Aucun souci. Allez, le cut, c'est fait. Aucun problème, on va même le poser. Au moins, je sais que j'ai un petit code de côté. Et on est reparti en haut. C'était par où? Hop, c'était pas par ici. Mec, il connaît toujours pas le comico. C'était totalement par ici. Ce passage des enfers, les amis, avec les liqueurs, souvenez-vous, ça me fait déjà frissonner, si je peux me permettre cette expression. Ok. On va poser par ici. Hop. Voilà, ça me paraît pas mal. En vrai, je pense que les munitions... voilà. Incendiaires, on peut aussi les poser là-haut. Oh putain, mais sérieux. En plus, je me suis dit, putain, il est parti, il va peut-être pas revenir cette fois. Il revient. Il est toujours présent. Ok. Normalement, pas de liqueurs par ici, hein. Je crois pas, hein. Ok, attends, parce que là, ça me fait peur. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, ça, je peux pas savoir. Pas encore. J'ai peur de passer à côté d'un numéro de casier. Ah! Mais j'ai dit de la merde. On a bien les mêmes clés. Il y aura une clé sûrement qu'on pourra pas avoir. Ah merde! C'était quoi? Putain. Oh non! Il est pas là normalement. J'ai qu'un pistolet, je suis pas prêt mentalement. Les rouillabaisse. Ok. Je commence à avoir la gorge sèche. Aux éventuels survivants, considérez ceci comme un cadeau destiné à ceux qui ont la malchance d'être en vie. Restez à l'affût de ces atrocités parce qu'ils sont aveugles. Évidemment, ça n'a pas besoin de le lire. Ça ne fait pas avancer l'histoire. Ok. On va marcher, hein. On va marcher calmement. Oh! Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un truc passer là, non? Oh! Putain, je le savais en plus. J'ai pas vu un truc passer, non? C'est l'effet d'ombre? Ok, ça en prend. Une sacoche, ça, clairement. On prend. Bon. Deux emplacements supplémentaires, ça fait plaisir. Griffonnage de quelqu'un. Que ces enfoirés en costard aillent au diable. Ils se sont débarrassés de moi. Après tout ce que j'ai fait pour eux. Puisque c'est comme ça, je vais m'amuser un peu avant la fin du monde. J'ai enfermé tous ces sales poulets en cage et posé un pain de C4. J'ai plus qu'à le faire sauter. Adios, les tocards. Mais c'est pas marrant si c'est trop rapide. Alors je donnerai peut-être à ce taré de quoi couiner. Ouais, je lui donnerai peut-être un jouet et je lui dirai « Tue ce mec » et j'épargnerai les autres. Je me demande ce qu'il fera. Tu parles de justice et de fierté, mais combien de fois tu t'es opposé à moi, ton supérieur?
Ouais, t'es un flic parfait. Si parfait que tu devais mourir. C'est marrant, il me faut de la musique. Retrouver son dernier album, évidemment. Bientôt dans les packs. Ok. Ok, là il me faudra le détonateur. Bonjour! Ok. Claire, c'est Marvin. Est-ce que tu peux revenir rapidement? Qu'est-ce qui se passe? Je veux te montrer quelque chose. C'est important. Compris, j'arrive tout de suite. Ok. Bon, on y va. Il y a quelque chose à nous montrer. C'est sûrement Léon qui fait joujou à côté. On va essayer de les liquider, ceux-là. What? Réellement, tu te relèves pas, frère? Alors, attends. Oh! Headshot! Incroyable! Ces deux épisodes! Ah merde, si vous vous relevez pas, les gars, c'est chiant. Toi, t'es beaucoup trop suspect. C'est évident. Combien ça? C'est un bon gaillard, ça! Merde! Oh non, je commence à stresser. Je commence à stresser comme pas possible. Oh merde, désolé, hein, c'est le mec de derrière qui prend. Mais putain! Je commence à devenir débile! C'est bon? Ok. C'est bon. Lui il est mort. Lui il va me filer son cut. On a l'autre là-bas là qui est en train de graille. Lui attention, hein, il se régale. Hein. Ça c'est beau ça. Ça c'est un beau coup de ma part. Oh là, là je fais une brochette. Hein. Oh mon pote. Ok. Attention monsieur. Hein. Oh, il s'est régalé celui-ci. Bon. Très bien, ici on a... On va fouiller direct. J'arrive Marvin. Hein. Marvin nous dit, mais qu'est-ce qu'elle fout putain la con. J'entends les bibliothèques bouger. Dis-moi pas, c'est pas le moment de lire là. Il doit s'en poser des questions celui-ci. Hein. Ok. Allez. Oh. 12 balles, incroyable. On dirait que le jeu te juge en fait, tu vois. On dirait que le jeu il est en mode... Attends. Moi je prépare, hein. Je prépare le terrain mon pote. Rien à foutre. Très bien. Il n'y a plus rien par ici. On va pouvoir partir, là on a quoi? Oh! Oh! Bon! C'est la licorne. Très bien. J'adore les licornes. La licorne c'est quoi? C'est poisson, scorpion et... gribouillis. Alors. Poisson... scorpion... Et je dirais ça? Non? Non, un gribouillis. Ça doit être ça. Ok, ça c'est fait. Médaille de la licorne, les gars. Et qu'est-ce qu'on a là? Bah dis donc, l'étage supérieur cette fois-ci, incroyable. Attends, vraiment je peux pas ouvrir? Oh non, catastrophe. Ok, on a quoi? Ok, c'est pas mal, je prends. Je prends très clairement. On est pas mal. J'aimerais bien enclencher le... Non, on le fera plus tard. Ça sert à rien. Je voulais enclencher l'étage supérieur, là, vous savez. Où on a subi une chute qui m'a fait d'ailleurs peur. N'ayons pas peur de... Oh! Oh bah dis donc! Mais tout va très très vite par ici! Ok. Et là, y a rien à dire. Oh quoi? Ok. C'est bon! J'arrive, Marvin! On avait quelque chose au bout ou pas? Ah oui, j'y suis allé déjà. J'arrive, Marvin. Dis-moi qui tu es et je te dirai... Bah je te dirai qui tu es parce que tu m'auras déjà dit qui tu es. Enfin, fais un effort Marvin, ok? Sinon je suis à deux doigts de bouillard. Te voilà. Approche. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ça. C'est pas vrai, il est vivant. Tu le connais? Oui, c'est Léon. Kennedy, je crois. Ah, oh, le nouveau, il me disait quelque chose. Tu peux accéder à cette cour. Via l'étage supérieur, côté est. Ok. Merci Marvin, j'y vais.
Oh, Marvin, il a eu un... Il a le droit à un beau sourire, quand même. Les gars, s'il vous plaît. Bon, on a deux médaillons, ça, c'est plutôt cool. Franchement, on a avancé... on a très, très bien avancé. Hein, on va pas se mentir. Donc, on va le poser. On a même le livre, totalement incroyable. On a la clé, totalement incroyable. On a... oh, de quoi cacher. On a de la poudre aussi. Donc là, on est plutôt dans une bonne vague, en vrai. Tiens, je vais faire tous mes petits bails. Hop, regardez. Voilà, ça c'est beau, mon gars. Ça c'est beau. Ok. Poudre noire. On a ce qu'il faut, en vrai. On a ce qu'il faut. Très, très bien. Je crois que juste à côté, bougez pas. Par ici, porte verrouillée. Mais porte verrouillée par quoi? Ah non, chaîne. Ok, donc là, on peut juste pas passer. Il faut vraiment la chaîne. Ok. Chaîne aussi. Très bien. Coffre, porte verrouillée et chaîne. Donc j'ai toujours pas vu. Incroyable. Toujours pas vu de... Oh, débat. Oh, c'est un message. C'est un signe du tout puissant. Oh, c'est dingue. Oh putain, merde. Personne n'était prêt à cela. En plus, je crois que je l'avais pris dès le début de l'aventure avec avec Leon, mais alors là, j'ai failli passer à côté, dis donc. On va save et on va s'arrêter là, les amis. On va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure. J'espère que cet épisode vous a plu. À bientôt, tout le monde. Portez-vous bien. Ciao, ciao.